Hey, to whoever may need this nugget of encouragement, things will be alright, so quit your worry. I get it, the odds can stack back against the wall, but even consider it such, no, you'll stay. Bonjour à tous, me revoici sur ma chaîne. J'avais envie de reprendre un petit peu, parce que c'est un format que j'aime bien papoter ici. Me revoilà pour un vlog sur cette semaine. Je vais essayer de reprendre le fil de mes vidéos, tout doucement. J'espère que vous allez bien. Pour moi, la vie a été très très chamboulante encore une fois. Donc, j'ai pris un travail alimentaire. Donc, je travaille dans un magasin d'alimentation bio. Et ce contrat me permet une sécurité financière et du coup ça me permet aussi de continuer à travailler sur mon entreprise en parallèle. Voilà. Mon amoureux est venu s'installer chez moi, donc réaménagement familial aussi. Et puis dans les points négatifs, j'ai perdu l'un de mes chats, qui était le chat que j'avais depuis le plus longtemps. Mais je ne vais pas trop m'étendre parce que c'est un petit point un peu douloureux. Mais voilà, depuis tout ça, j'ai terminé mon site internet. Donc ça y est, on peut y aller. Et du coup j'ai repris une boutique en ligne. Donc je me suis dit que cette année j'avais envie de relancer des collections d'illustrations en carterie, marque-page carte. Et puis je vendrai certainement les peintures originales plutôt que des affiches. Et ou alors je vendrai très très peu d'affiches. Voilà, et j'ai pas mal d'idées en tête par rapport à ces collections d'illustrations. Donc la première qui va sortir, on va en peindre une ensemble. J'ai fait 3 visuels à la peinture et du coup après je les scannerai et puis avant de les envoyer en impression. Là j'ai décidé que du coup tout ce qui était impression, j'allais déléguer, j'allais passer par un site. Tout bêtement parce que je n'ai plus d'imprimante. Elle a rendu l'âme, donc voilà. Donc là, je vous reprends. C'est un peu spontané et instinctif pour moi. Mais voilà, j'en avais envie. Donc, on va faire cette peinture ensemble. Cette première collection que je vais lancer, parce qu'elle va certainement arriver pour le mois de novembre. Donc, on sera en plein witchy period. Oui, the season of the witch. J'ai 3 petites sorcières en visuel et puis je vais voir ce que je fais pour les marque-pages. Je pense que je les ferai plutôt en digital, voilà, pour cette première petite collection. J'ai beaucoup d'idées, ça a beaucoup fusé dans mon cerveau ces derniers temps en termes de créativité, donc je vais voir si j'arrive à tout faire. Voilà. Je vous retrouve tout de suite pour la peinture. To whoever may need this nugget of encouragement, things will be alright, so quit your worry. I get it, the odds can stack back against the wall, but even consider it such, know you'll stand firm. Sat and watch from the sidelines, one too many times. Wicked games we play, make me wanna lose my mind. Found solitude, knowing it'll be over soon. Ever need a boost, count on me. Voilà, donc relativement terminé ma peinture, j'ai fait les aplats et les contours. Il ne me restera plus qu'à finaliser avec des crayons couleur et de la gouache pour faire rajouter des petits effets, des petites choses. Là, il va être 18h. Je pense que je vais essayer de vlogger tout au long de la semaine. Demain, c'est une journée un peu particulière, donc je ne vais pas pouvoir vous montrer grand-chose. Je n'ai pas grand-chose à vous montrer demain. Mais bon, j'ai pas mal de réflexions à partager avec vous, donc ça peut être chouette. Et là, en fait, donc il est 18h, mon chéri va rentrer d'ici 2h. Je vais m'atteler à faire le repas de ce soir, comme ça ce sera prêt.
quand il va rentrer. Et en plus, du coup, ça me laissera du temps pour bouquiner. Et ça va être chouette. Même si je vous réserve des vidéo-lectures toutes particulières, je vais reprendre les vidéo-lectures. Je pense que là, la semaine d'après, je sortirai la vidéo de mes lectures de septembre, même si bon, on est mi-octobre, mais c'est pas grave. Et que j'ai d'autres lectures en cours sur ce mois d'octobre. Mais voilà, je pense que je vais reprendre les vidéos lecture du mois. Parce qu'en plus, moi, j'adorais faire ça et j'adore que ça me permet de faire un point dans mes lectures. Voilà, c'est toujours quelque part. C'est un peu mon journal de bord de lecture, donc c'est pas mal. Donc voilà, j'ai rincé mes pinceaux. Parce que quand on fait de la peinture, après, quand tu vis dans la maison d'une illustratrice, tu te retrouves avec des pinceaux partout en train de sécher. Et on va faire le repas. Ce soir, j'ai prévu un poulet, un carré de poulet, comme le faisait ma grand-mère à peu près. Donc pour faire le carré, on a besoin de poulet, bien sûr, d'un oignon. Là, je vais aussi rajouter de l'ail. Et ma maman m'a ramené deux sachets d'épices qu'utilisait ma grand-mère. Et elle m'a dit, donc il y a le garam masala et le madras. Et elle m'a dit, tu mets le madras dans l'huile pour parfumer d'abord le poulet. Et ensuite, quand tu vas faire mijoter, tu utilises le garam. Voilà, je crois qu'elle m'a dit qu'il y en a un des deux qui pique, mais je sais plus lequel. Hey, To whoever may need this nugget of encouragement, things will be alright, so quit your worry. I get it, the odds can stack back against the wall, but even consider it such, know you'll stand firm. Sat and watch from the sidelines, one too many times, we can get it like... Voilà, le repas est fait, le poulet est en train de mijoter, l'odeur des épices est absolument divine. Je suis super contente, ça sent vraiment le curry de ma grand-mère. J'espère que j'en ai pas mis trop parce que sinon ça va piquer. Vous voyez mon Lolo derrière qui est toujours là. Et puis, oui, dans les nouveautés, du coup, mon amoureux est venant s'installer. Ici, son petit toutou vient avec nous aussi. Donc, on a un nouvel habitant également dans les poêlons. Doucement. Donc, voici Monsieur Twister. Ah oui, allô, les poêlons. Je suis envahie par les toutous. Voilà, du coup, je me suis fait un petit thé caramel vanille, petite gourmandise du soir, et il me reste une bonne heure et demie avant de sortir les toutous. Du coup, je vais vous parler de ma lecture en cours, même si je vous en reparlerai certainement plus tard. Ne me jugez pas, je lis Hadès et Perséphone. De Scarlett Sinclair, qui est donc de la romance. On est sur la mythologie Perséphone, Hadès, Déméter. Mais là, c'est revisité, hyper contemporain. Elle est à la fac, elle écrit des articles pour une revue. Voilà, c'est très léger. Très sympa, très facile. C'est un vide cerveau au possible. Ça me convient parfaitement. Donc, je vais me faire cette petite pause lecture avant de sortir les toutous. Et puis après, on dîne à deux avec mon chéri ce soir parce que les enfants ne seront pas là. Ils sont là que demain. Donc, To whoever may need this nugget of encouragement, things will be alright, so quit your worry. Alors, je vous retrouve rapidement pour ce soir pour vous montrer quelque chose parce que je suis allée chercher mon colis dans ma boîte aux lettres. En fait, j'avais commandé quelques livres et du coup, je viens de les recevoir, donc je voulais
ouvrir ça avec vous et vous montrer ce que j'avais commandé. Il doit y en avoir trois dans ce paquet. Je vais vous expliquer. Donc, nous avons le livre Emmanuel. Alors ça, c'est le tome 2. Donc, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais il y a un film sur Emmanuel, l'actrice érotique, qui est sorti au cinéma il y a à peu près 2 semaines. Je pense que je vais l'avoir raté. Et en fait, ce film est tiré d'un livre. Et il y a 2 tomes à ces livres. Et en fait, je ne sais pas pourquoi j'ai commandé les 2, mais je reçois le tome 2 avant le tome 1. Voilà, je ne sais pas comment ça se fait, mais c'est comme ça. Donc, voici le tome 2. Et ça a l'air hyper intéressant parce que ça va parler du coup de désir, de plaisir féminin, de son histoire et de sexualité en général. Ensuite, j'ai pris Anna Isnin, Vénus Erotica. Ça fait des mois que j'ai envie de lire Anna Isnin. Il y a 2 textes qui m'intéressaient, c'était celui-ci et Inceste. Et voilà, j'avais vraiment très très envie de le lire, donc j'ai hâte de me plonger dedans. Et l'autre livre que j'ai acheté, c'est Beauté fatale de Mona Chollet, qui est donc une analyse sociétale sur les injonctions sur le corps de la femme, qui est un sujet qui me fascine. Ou en tout cas qui me parle beaucoup ces derniers temps, sur lequel je réfléchis beaucoup. J'avais très envie de le lire. Je sais que ça fait un moment qu'il est sorti. Je n'ai toujours pas lu Sorcière. Je le ferai. Je l'ai dans ma Kindle. Je le ferai. C'est le 2e livre donc, que je lis de Mona Chollet. Je ne pense pas que je lirai celui sur la maison, mais voilà, cet essai sur les injonctions sur l'apparence et le corps féminin, vraiment c'est une question qui me parle beaucoup en ce moment. Voilà ma petite réception, je vous fais un mini book haul au passage. Je suis très contente, j'ai vraiment hâte de me plonger dans ces lectures là. Je pense que je vais m'arrêter pour aujourd'hui et je vous reprendrai demain pour vous expliquer un peu mes réflexions, notamment sur ma façon de me positionner sur les réseaux, du découlement. Et puis voilà. Voilà, là j'ai tout fait, j'ai sorti les toutous, ils ont mangé, tout va bien. On se retrouve demain. Donc, je vous dis, aujourd'hui c'est une journée un peu particulière. Je viens faire la peinture dans l'appartement de mon chéri. Sur mon jour de repos pour qu'il puisse le rendre de façon nickel. Donc je viens d'arriver. J'ai les pinceaux qui sont prêts. Donc on va être pas mal. Je vais aller me faire un thé avant de démarrer, de commencer à bâcher et puis à sortir la peinture. Faut que je sorte le rouleau adhésif. envie de papoter plusieurs trucs avec vous. Je vais commencer par ça avant de me faire un thé. Petite scène, je viens déposer. Petite scène de je sais pas comment appeler ça, de culture du viol, on va dire, à quotidienne. Je suis dans le RER, je dois prendre le RER pour aller à l'appart. Alors, je vous montre, hein, pour qu'on n'aille pas dire que ça vient de ma tenue. Je suis en schlackos, j'ai un jean travaux, basket travaux, sweat de 60 mètres de long. Donc j'arrive à la fin de mon trajet, on est 2 dans le wagon avec un monsieur qui est au téléphone. Et là il y a un type qui rentre à la station juste avant celle la mienne. D'abord il s'assoit devant moi,
sur des sièges plus loin, mais devant moi. Moi, je suis plongée dans mon bouquin, donc je tilte pas. Et puis, il vient s'asseoir à côté de moi, collé. Donc là, ça me plaît pas, je le sens pas. Donc, je range mon bouquin, je me lève et je vais à la porte du wagon. Et je suis pas très loin du mec qui est au téléphone. Donc, et là, le mec me suit. Il se colle à côté de moi. Et en fait, dès que je bouge, il continue de me coller. Ce qui signifie je lâcherai pas. Donc j'appelle mon mec en FaceTime et je me mets devant le mec qui est au téléphone. Et je suis avec mon mec au téléphone et je lui dis reste avec moi. Donc il me dit ok, il y a un relou. Je dis ouais. Et je me dis mais putain, en fait je déteste ça quoi. Là dans ces moments-là vraiment ça m'énerve d'être une fille pour avoir à subir ce genre de conneries. En fait non quoi. Non, et je devrais pas avoir appelé mon mec en FaceTime, je devrais pas, parce qu'en plus là j'avais pas d'issue, j'avais pas de possibilité d'issue. Ouais, donc je reprends sur ce que j'étais en train de vous raconter, c'est l'un des premiers trucs sur lequel j'avais envie de papoter avec vous ce matin, parce que j'avais envie de lâcher ma valda. Ça me gonfle de vivre ce genre de truc. En fait, du coup, quand t'es une fille, t'es une potentielle proie à un moment donné, quoi. Et tu, enfin, c'est abusé. Et puis en plus, il y avait ce sentiment de ne pas avoir de possibilité d'issue, de protection, de... parce que techniquement, j'appelle mon mec, mais il a l'autre bout, il peut rien faire. Et puis je devrais pas avoir besoin d'un autre homme pour me protéger. En fait, je devrais pas avoir eu ça. Je devrais pas avoir à me défendre de ça. Je devrais pas avoir à me protéger de ça. Aucune fille ne devrait avoir à se protéger de ça. Je trouve ça abusé. Et puis, je déteste la sensation que ça laisse après. Parce que du coup, quand je suis descendue, il est descendu aussi. Et le mec qui était au téléphone descendait aussi. Et là, il a pris une toute autre direction que la mienne, donc il ne m'a pas suivie. Et moi, je suis restée pendant 10 bonnes minutes à checker autour de moi, derrière moi, à côté de moi, qui ne m'avait pas suivie, qui n'avait rien, que personne n'allait m'emmerder. Donc, ouais, je trouve ça abusé, en fait. Ça me fatigue, quoi. Non. Voilà. Bon, sur ce, j'ai trouvé une tasse. Enfin, fond des cartons, j'ai même trouvé du cappuccino, mais je n'ai pas trouvé de cuillère, donc j'ai touillé avec mon Copic Multiliner, l'illustratrice jusqu'au bout. Et je vais aller bâcher et me mettre à peindre, et puis je vous reprendrai sur ma pause déj. Je vais pas rester hyper longtemps, je pense pas qu'on ait pour hyper longtemps, la pièce n'est pas très grande, et les murs sont très simples. Voilà. Contrairement à celle que j'ai fait la semaine dernière, la pièce est beaucoup plus simple. Tac, tac. Voilà, à plus. Bon, j'ai même pas fini de bâcher, j'ai même pas encore ouvert le pot de peinture, mais les sushis sont arrivés parce que je suis nourrie à domicile en plus. Donc ben, je vais faire ma pause déj. Voilà. Là, on est pas mal. Bon, j'ai de la peinture un peu partout, mais franchement, par rapport à la semaine dernière, c'est mieux quand même. J'ai fait la moitié de la pièce. Le truc dans la pièce, c'est qu'il y a un lit que je dois absolument protéger et qui est en plein milieu. Donc en fait, je suis obligée de bâcher autour et je l'ai calé. Et en fait, pour faire l'autre moitié, il va falloir que je débâche, je décale. Je rebâche et que je fasse mes murs. Donc je fais une petite pause capou avec vous en attendant que ça sèche un petit peu avant de faire tout ça. Je voulais papoter avec vous des réflexions que je me suis faites sur les réseaux sociaux. En fait, souvent j'ai eu très envie sur les derniers mois, les dernières semaines de reposter des vidéos sur YouTube parce que en vrai j'aime ça.
J'aime bien parler toute seule à une caméra, je sais pas. Et en fait, j'attendais toujours le bon moment, genre le bon nombre de bouquins, le bon nombre de trucs avancés, la semaine où il va se passer des trucs intéressants à montrer, où j'ai la tronche pas trop en vrac, etc., etc. Et en fait, c'était pareil sur Insta. En fait, ma réflexion s'est surtout posée sur Insta, parce que sur Insta, j'ai eu un gros moment où j'ai plus pu poster aussi régulièrement et tout. J'avais un feed qui était hyper structuré, qui était hyper lisse, propre, qui nourrissait mon auto-entreprise, clairement. Et en fait, la réalité, c'est que j'ai pas pu suivre, j'avais plus la disponibilité pendant 2, 3 mois de suivre ce truc-là. Donc ça s'est stoppé. Bien sûr, j'ai baissé. Mais je me suis dit, en fait, il faut que j'arrête de réfléchir et que j'y aille plus dans le spontané, en fait, dans la spontanéité. Voilà, tant pis si j'ai les cheveux qui partent en cacahuète, tant pis si c'est pas parfait, sous-titré, nanana, tant pis si le visuel est pas lisse, propre, cadré, beau, instagrammable. Et puis ces derniers temps, je suis toujours sur un cours de réflexion sur la femme, le positionnement de la femme, le corps de la femme, la sexualité de la femme, tout ça, tout ça. Et y a un truc qui se passe sur les réseaux et notamment sur Instagram. En fait, je m'en suis rendu compte parce qu'il y a des jeunes femmes qui s'abonnent à mon compte, qui sont des vrais comptes. Et c'est les filles d'Insta, quoi. C'est leur compte, c'est elles, et dans de multiples positions, dans de multiples tenues, dans quelque chose de. Elles font vraiment les filles d'Insta en fait. C'est-à-dire que c'est une beauté hyper normative, hyper normée, de ce que sociétalement on va attendre d'une fille. Et je me suis dit, mais. Petite poulette, à quoi tu joues? Et en fait, j'ai plus du tout envie de nourrir ça, ni dans ma créativité, ni sur mes réseaux. Moi, j'ai envie de voir des gens vrais, des gens qui ont des cernes, des rides, des ergetures, qui ont trop mangé, qui ont mal dormi, qui boivent trop de café, qui fument comme des pompiers, qui boivent comme des trous. Je rigole. Mais vous voyez ce que je veux dire? En fait, j'ai envie. J'aime les choses vraies, les choses authentiques. C'est une réflexion qu'on s'est fait avec mon chéri parce qu'il m'a dit, mais en fait, aujourd'hui, on a soif d'authenticité, on a envie d'authenticité. Le côté hyper fake, hyper lissé, hyper normatif, hyper normé de notamment la beauté féminine, c'est lassant. C'est lassant et puis il n'y a rien derrière. Et il me dit, qu'est-ce qu'elles vont chercher ces nanas, ces petites poulettes, elles viennent chercher le nombre de likes parce que ça leur donne le sentiment d'exister et le sentiment d'être aimé. Voilà. Comme tout le monde, tout humain a besoin de reconnaissance, valorisation. Ok, j'entends. Mais est-ce qu'on pourrait pas. En fait, là, du coup, la réflexion qui m'est venue, c'est de me dire aujourd'hui, mes réseaux vont me servir, non pas à jouer un jeu, mais à partager et à transmettre le monde que j'ai envie de voir. Et moi, j'ai pas envie d'être dans un monde où on dit une femme comme ça, c'est beau. Un homme comme ça, c'est beau. Et montre-toi de cette façon-là parce que c'est ça qu'on a envie de voir. Non. Pour moi, la beauté, du coup,
elle se situe à plein d'autres endroits, de plein d'autres façons, et elle se situe dans l'authenticité, dans la vérité. Du coup, c'est ça que j'ai envie de transmettre dans mes réseaux, et c'est aussi pour que ça que je reviens pleine de peinture, le cheveu en casquette, et parce que j'ai envie que mes réseaux ce soient des endroits où c'est vraiment moi en fait. Et même si je trie, je vais pas tricher. Et je me dis que si moi, à mon échelle, dans mon bout de parcours, j'arrive à me montrer un petit peu que la beauté, c'est autre chose que ce qu'on en montre sociétalement sur les réseaux, qu'elle se situe à d'autres endroits, d'une autre façon, justement, dans les blessures, dans les fêlures, dans les fragilités, dans les vulnérabilités, dans les défauts, dans les imperfections. Peut-être que ça permettra de créer quelque chose de plus vrai, de plus juste, en tout cas à mon échelle, pour moi et dans mes yeux. Voilà, et c'est pour ça que je me suis dit, bah arrête de te prendre la tête si t'as envie de revenir sur YouTube. N'attends pas le bon moment, la bonne façon. Reviens, montre ce que t'as envie de montrer, raconte ce que t'as envie de raconter, et puis on verra bien. Voilà. Aujourd'hui, on est jeudi, c'est ma dernière journée de ce vlog pour la semaine. Je me prépare pour une journée de vadrouille avec ma meilleure amie. Elle m'a pas trop donné la destination, mais je sais qu'on va sur Paris. On a rendez-vous au Batignolles, qui est un quartier que je connais pas bien, mais qui est en fait super mignon. Et on a d'abord rendez-vous pour manger beaucoup, m'a-t-elle dit, et après on va au ciné. Donc me voilà en route pour le train avec ma lecture en cours qui est donc Les corps abstinents. On a rendez-vous d'abord dans un café brésilien, donc au Batignolles, comme je vous disais. Et en fait c'était super bon, c'était la première fois de ma vie que je mangeais brésilien et c'était très sain, très ici. J'ai pris un acai bowl en dessert et c'était très très cool, c'était vraiment tout doux. Après on est allé au ciné, on est allé voir L'amour ouf, que personnellement moi j'ai bien aimé. L'intention du film c'est d'aller dans les clichés des années 90-2000 comme une nostalgie, et moi j'ai bien aimé. Et voilà, c'était ma dernière journée de ce weekly vlog, j'espère que ça vous a plu, je vous fais plein de bisous, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.